Salut les amis, la team SPCC des pollutions de retour sur un ancien spot que l'on a fait plusieurs fois, mais comme on l'a laissé un petit peu à l'abandon un certain temps, on a dit avec Cathy, comme il fait beau, on a dit tiens, mais on va y retourner. Apparemment, y a pas mal de bouteilles en plastique, de verre, déjà on va ramasser ça, on va faire de la dépollution sur le sol. Et puis après, ben, on va jeter les aimants. Alors je vous dis à tout à l'heure les amis. Bon, allez, on va faire de la collecte. Regarde. Les Red Bull, one qui fait tout dans. Attends, bouge pas. Ça va bien notre petite pince. Aïe. Notre petite pince qu'a-t-il appris pour pouvoir ramasser les bouteilles. Il y en a qui sont venus. Il y a du verre, il y a du plastique. Les amis. Oh la vache, il y a des ronces aussi. Et on amènera tout ça aux poubelles de notre domicile. Je l'ai lâché en route. Ah non. On va aller voir s'il y a un peu plus haut, il y en a. La poule. Oh la vache! Il y a du ronce. On va aller un peu plus haut. Bon, les des masques. Il y en a partout, des masques. Encore une bouteille d'Esperados. Allez. Bouteille d'eau. Oh vache, il y en a là. Aïe. Coca, coca. Coca. Des masques, il y en a partout. Des canettes là. Qu'est-ce qu'il y en a de ça? Qu'est-ce que c'est, maman? Je ne sais pas ce que c'est. On dirait des pétards. Bon, si c'est des pétards, on ramasse. Oh là là. C'est bizarre parce que c'était sous la bâche. Il y en a. Oui, mais on va remplir le sou. On fait notre devoir de citoyen aujourd'hui. Bon.
pas les prendre avec les mains. On n'a pas de gants. Bon, mais c'est déjà pas mal, t'es. En 10 minutes, une poubelle. Vive la France. Voilà. T'es, regarde, il y en a une petite, là. C'est fou, hein. Ah, c'est chrysaline. Cristalline. La bouteille qui est tombée sur la tête à paillettes. Aïe, aïe, aïe. Elle a atterri chez nous, dis donc. Bon. Eh bien, dis donc, ça fait pas mal. En très peu de temps, je vais jeter un œil là. De poil. Et la poche, ce que c'est là? Attends. Encore une. Ouh la vache! Entre les canettes métalliques, verre, plastique, terre, regarde. En fait, ici, c'est un chemin. Il y a un terrain de crosse derrière. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui viennent faire la fête sauvage et qui sont pas propres, en fait. Et du coup, ils balancent tout dans la nature et c'est bien dommage. Voilà. Bon, sur ce, maintenant qu'on a bien rempli la poubelle, on va aller faire de la dépollution. Allez voir dans l'eau si des fois ils nous ont remis, nous ont rebalancé des choses dans l'eau. Bon, mais la poubelle est pleine. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bien. À tout à l'heure, les amis. Bon, voilà. Philippe, il est obligé de sortir le treuil. Parce que j'ai plaqué sur une grosse masse et mon aimant est collé dessus. En plus, on voit des. Et je vois des taches d'hydrocarbures sortir. Mais je n'arrive pas. Tu peux venir, s'il te plaît. Je n'arrive pas à le. Faut que tu tires le. J'arrive. Ma corde ne va pas. Attends, j'ai fait. Je vois que. Pourquoi? Comment ça se fait? Là, j'espère que ça va aller. Là, voilà. Punaise, ça colmate bien. Oui, l'aimant, il est bien plaqué. Ah oui, je vois ça, oui. Là, je sais pas sur quoi tu es. Sur, à mon avis, sur une grosse masse. Parce qu'il y a de l'hydrocarbure qui est sorti. Allez, on tente le tout. Et voilà. Et Philippe, il va être obligé de pomper comme les Shadocks. Ça, il y avait longtemps. Ou alors, je fais venir le rocher. Ou tu fais. Ou alors, on sort la grosse masse. Attends, je vais mettre bien dans l'axe. Il est venu. Ah ouais, mais je pense qu'il est. Je pense qu'il n'y a rien dedans. Regarde les bulles. Ouais. Je sais pas si vous voyez les bulles.
Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, mais tu devais vraiment avoir quelque chose. Ben oui, mais ça a assez plaqué de seul coup. Ouais. Bon, mais c'est fait. Bon, mais merci. On va laisser le treuil comme ça, on ne sait jamais. Bon, mais je vous reprends dès que... Je t'enlève le nœud. Dès qu'on pêche quelque chose. Comme ça. Là-bas. J'en avais trouvé une fois. Une barre de fer arrive à la roue. Ma poubelle, elle va se casser la figure. Voilà. Alors,
travers. Une belle plaque que Cathy vient d'attraper. J'aime la pêche, moi. Oh non, j'ai la disqueuse. J'ai la disqueuse. Allez, vas-y. Lâche-moi-le. Je peux pas, hein. Recule, t'as mis ta patte au côté. Là. Bravo. Ah, bah ça, cette longueur. Ouais. C'est sorti de l'eau, bravo. Un morceau de ferraille. Et pour la sortie. Oh, belle barre de fer. Ah mais punaise, j'arrive pas à les décoller, l'homme de Dieu. Des canoës qui arrivent. Canoës. Fais une rondelle. Ouais, c'est bien. Il y a deux, trois bricoles, nous allons les faire ramasser. Allez, on peut sortir au soleil. Pourtant, j'ai pas lancé dans les pierres. Tu vois, oui, ça. Bon, attends. Dis donc, il y a encore la cendre dessus. C'est pas mieux. Non. Tu es là, on va dérouler le câble après. Vivi. Voilà. Bon, attends, que je ne me connaissais pas les doigts, parce que ça, c'est bien, mais... J'y arrive. Pour se coincer les doigts, il y a... Attends, je ne suis pas dans le bon sens. J'arrive. Je ne suis pas dans le bon sens. Bon. On est accroché à ces pays qu'on est de la refuser. Hein. On va voir si on est bon ou pas. À moins que c'est le pont qui vienne. Et Shadow. Et ça va commencer à se tomber. Il est tendu là. Là, il a lâché. Il a lâché. Attends, il a lâché? Non. Comment ça? Attends. Je l'ai senti lâcher, moi. Ah, il a lâché. Oh, il y a du lourd. Cette barre de fer. Attends. Là il y a du gros. Cathy, elle se sort toujours de ces trucs. Ce morceau. Ça m'étonne que c'était coincé. Oh, même qu'on a le troyer qu'il est costaud le troyer. Alors.
On va le laisser là encore. Voilà. Tiens, tire-le un peu. Tiens, petit jeu de concours. On le pèsera à la maison. Et vous essaierez de nous dire combien ça peut peser. Donc, comme vous voyez, Philippe, apparemment, il a du mal quand même à tirer. Voilà. Merci, Philippe. Bravo Cathy. Cathy nous a attrapé un set de cartouches. Elles sont belles en plus. Ça, on va les mettre de côté pour les restaurer. Bravo. On va les mettre de côté, ça. Ça, c'est mignon, ça. Enfin, un truc intéressant ici. Je tombe. On remarque qu'il marche sur ma corde, je vais pas aller loin. Panzani. Ouais. Une fois tapé, on va remplir la gamelle. Allez, encore un peu. Non, elle est trop. Oh, puis. Ah, mais moi, hein, ils veulent pas se décoller avec moi. C'est un aimant qui est assez puissant. Un petit peu, hein. Parce que comme ça fait longtemps qu'ils sont dans l'eau, ils sont plus de... Un boulot. C'est avec ça que je me... Tu les perds. Que je me perce les dents. Oula vache. Toi, je sens que tu vas aller faire clou. Ah non, je me suis coincée. Ah, ça rien, merde. Dis donc, hein. Si tu vois, tu n'aurais pas rembobiné, j'aurais pu me le faire. Attends. Il
Ah si, je le sens, moi. Je le sens, tout ça. Je le sens, moi, quand je le sens quand ça a lâché. C'est resté là, non? Parce que ça venu, c'est venu à un moment donné. Là, je peux te dire que c'est de l'amour, là, ici, là. Là, ça accroche, là. Bon, je sais pas ce que c'est. Oh non! Quoi? Ah non! Là, j'ai une plaque, là, il y a quelque chose. Tiens, regarde. Je dépollue à ta place. Hey, attention parce que c'est tombé. C'est tombé hors du son. Si je me frotte, je le drape. Ah non! Hey, où a ce morceau? Ah les amis, je ne sais pas si vous voyez là. J'ai pris la place à Cathy. Hey, j'ai pris la place à Cathy. Ouais, c'est bon ça. On va revenir avec quelques kilos de ferraille encore. J'ai pêché. C'est un grand boulon, dis donc. Alors ce morceau, le morceau de boulon. Oh dis donc, tu m'embêtes. J'arrive. Attends, je relance un coup là. Voilà, j'ai réussi. J'ai réussi. Eh bien, non, laissez-le, on va le faire. Non. Voilà, tu l'amènes là-bas. Eh bien, les amis, j'ai réussi à. Non, non, non. Nous sommes toujours avec mon aimant qui est dans l'eau. Donc, on est allé à l'opposé. On est allé à l'opposé. Voilà. Et donc, on essaye dans l'autre sens. Ah, ça commence à bander, là. Et Philippe? Ça y est, il a lâché. Ah! Récupère. Alors, attendez. Je vais récupérer. Je vais vous poser là. Ça y est, c'est fait. Attends, à fond. Je le remonte à fond. Je le plie, là. Allez, ça y est, c'est fait. Attends. Si c'est pas bon, hein. Ah là 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 là. Ah là. Je sais pas si vous voyez Philippe. Ouh. Fais attention avec ton trépied là. Oui, ma. Bon, voilà. On va arrêter là, on va ramasser le matériel. Ça fait bien une heure qu'on essaye de se dépêtrer avec nos cordes et de troyer. Voilà. Cathy, trois fois accroché. Le principal, c'est de récupérer l'aimant et le matériel et tout ce qui s'ensuit.
mets les tapons. Voilà. Donc. Bon, les amis, je reviens vers vous. Fin de la pêche. On a eu quelques périples car l'aimant de Cathy était coincé. Dans le sens qu'on l'a tiré au bout de la troisième fois, parce qu'elle s'est coincée à peu près trois fois dans le même coin. Donc on a essayé de la tirer dans le même sens, on a tout bloqué. Donc tout était très tendu. On a réussi avec des petits bouts de fer pointus à dénouer les nœuds. Seulement que Cathy, elle a voulu faire son nœud de corde. Quand moi je l'ai défait, quand je fais des nœuds, en général, c'est que ça vient. Parce que je sais faire les nœuds. Mais on y est arrivé. Donc après, on a changé d'emplacement. On l'a tiré à contresens, c'est-à-dire à l'autre bout du pont. Là, on a accroché les cordes à un chêne et on a tiré. Enfin, l'aimant est venu, il y avait un genre de boulon au bout et on a dit on arrête tout. Ça faisait une heure qu'on y était là. Bon, on a fait pas mal de ferraille. Et bon, mais là on arrête, il faut regagner le véhicule qui est à l'autre bout du deuxième pont. On a du chemin. Bon, mais les amis, la team aujourd'hui, on était deux, Cathy et moi-même. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle pêche, petite vidéo. Pensez à liker, envoyez le petit pouce bleu, petit commentaire si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Merci à tous les abonnés qui regardent nos vidéos et qui se sont mis parmi nous. À la fin là, on posera une question de savoir de quel poids est la barre que Cathy a sortie. Voilà. Bon, le reste pas trop, mais au moins la barre. Mes amis, à bientôt. La team SPCC des pollutions vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.